Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons ni parler de réseau, ni de développement web, mais de transformation digitale en général. C'est quoi la transformation digitale? Tout d'abord, aujourd'hui, nous nous baladons souvent sur le net et nous cherchons tout sur le net. Nous consommons du contenu tous les jours. Là, par exemple, je suis sur un blog, le journal du net. Je peux chercher tout ce que je veux, des informations, le moteur de recherche Google qui me permet d'avoir tout ce que je veux en fait. C'est l'appli YouTube aussi qui me permet d'avoir du contenu de type vidéo. Nous avons iTunes qui nous permet d'avoir des contenus de type audio avec des podcasts et tout. Aujourd'hui, en quoi la transformation digitale tel effet. Donc, d'abord, la transformation digitale, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui nous permet ou qui permet aux entreprises, pardon, d'interagir avec ses clients, d'interagir avec des clients potentiels grâce à la technologie, à la façon de communiquer, ok, à la gestion du personnel même dans l'entreprise. Donc, quand on parle de transformation digitale, on aura à éventuellement citer trois points clés. Il y aura la gestion de l'équipe de l'entreprise, il y aura la gestion de la communication de l'entreprise, il y aura aussi maintenant les innovations dans l'utilisation des outils que l'entreprise a besoin. Maintenant, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler des nouvelles technologies telles que le cloud, l'intelligence artificielle, les applications métiers comme les applications grand public. Quelle est la différence entre la transformation digitale et la digitalisation? Prenons un exemple, une entreprise qui garde les informations de ses clients sous le format papier. Il suffit juste de faire des formulaires et de les faire remplir par des secrétaires ou les clients eux-mêmes. Supposons que vous gardez ces informations en version papier et qu'un jour vous décidez de passer à la version numérique. Donc vous passez à la numérisation de ces papiers-là, ce qui vous permet d'abord de stocker vos fichiers sur un cloud quelque part, sur un serveur dans n'importe quel pays de ce monde, et vous pouvez y avoir accès en tout moment. Là, on parle là de digitalisation. Mais lorsqu'une entreprise essaie d'entrer dans l'innovation, de prendre en compte la gestion du personnel, la gestion de l'utilisation des outils de l'entreprise ou également la façon de communiquer, lorsque le marketing de l'entreprise, les stratégies marketing déjà commencent par avoir de nouvelles perspectives avec la gestion de l'équipe et tout, on va parler de transformation digitale. D'accord? Quels sont les objectifs en fait de cette transformation-là? Il peut y en avoir plein d'objectifs en fonction de l'entreprise et de son secteur d'activité, mais la plupart du temps, il y a une création de la valeur. Les entreprises veulent créer de la valeur pour leurs potentiels clients. Des clients qu'ils savent où trouver. Des clients qui vont sur Internet tous les jours. Des clients qui consomment des contenus tous les jours. Des milliards de contenus qui sont postés par jour. Que ce soit des vidéos, des articles, des photos et tout. Donc nous avons plein de plateformes en ligne comme ça. Par exemple, je peux encore aller sur un autre blog ici, le blog de l'activité digitale. Il s'agit de Youmess. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un peu comme ça. Les entreprises savent où chercher en fait leur potentiel client. D'accord? Et ensuite de ça, ensuite de la création de la valeur, les entreprises également. Bénéficient d'une large
de grandes opportunités en fait. Ils ont la possibilité d'atteindre un grand public et tout. Ils ont un grand retour d'expérience client, ce qui fait en fait une grosse sauvegarde de données en ligne qui va permettre à l'intelligence artificielle de vous faire de nouvelles propositions. Vous êtes là. Prenez l'exemple des adresses email. Il suffit juste de renseigner son adresse email, d'utiliser les cookies sur un site et vous êtes tracé partout. Il suffit juste que vous allez sur un site de cuisine, par exemple, vous acceptez les cookies et à chaque fois que vous irez sur des articles de cuisine et autres, vous aurez toujours des pubs qui viennent à entrer la relation, à une relation parallèle à l'activité, à la cuisine. Donc, ok, on vous propose des contenus qui vous font avec ce que vous cherchez. C'est un peu ça, tout ça c'est un peu dans la méthode de la transformation digitale. Et l'expérience client n'est pas le seul, ici, le seul objectif qu'il y en a. Et quand on parle au fait d'expérience client, les entreprises veulent plus fidéliser leurs clients. Ok? Fidéliser les clients en ce sorte que lorsque vous avez un service d'une entreprise, vous pouvez lui donner un retour. Et ce retour permettra à l'entreprise de savoir si vous voulez continuer avec elle, si vous voulez continuer par consommer ses produits ou pas. Mais à part ça, il faut faire rêver le client. Il faut faire rêver le client. Il faut vendre du rêve au client. Il faut vendre du service au client. Maintenant, comme je le disais plus haut, la transformation digitale a un mode de fonctionnement organisationnel. Il touche aussi bien l'humain, les outils et la méthode de communication dans une entreprise. D'accord? Et le digital est devenu, comment dire, le terme en fait, c'est le digital n'épargne personne en fait aujourd'hui. Que ce soit les entreprises ou les particuliers, le monde du digital englobe tout le monde. Ça englobe tout le monde du moment où aujourd'hui nous avons des équipements informatiques un peu là partout, des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, des téléviseurs et tout. Le digital nous suit depuis un long moment et nous ne pouvons nous en passer. Maintenant, les entreprises utilisent les outils mis à disposition pour essayer de pour créer de la valeur d'abord, vendre du rêve, vendre leurs produits, mais en retour, ils accumulent des données utilisateurs. Des données utilisateurs qui vont leur permettre de faire des analytics. Pour, enfin de prendre des décisions, enfin de faire de nouvelles propositions de produits ou de valeurs, enfin de modifier la marque de l'entreprise. Après cela, partons maintenant voir les enjeux de cette transformation digitale pour les entreprises. D'abord, on aura au niveau du côté humain et culturel des changements, c'est-à-dire les équipes de travail dans les entreprises devront en fait collaborer, unir les idées pour pouvoir trouver des solutions. Donc, ceci se fera peut-être souvent à base de logiciels conçus pour les entreprises, les logiciels de type CRM, comme par exemple ce logiciel que je vous présente là. Je ne suis pas en train de faire une publicité, juste une présentation d'un logiciel qui permet aux entreprises d'unir leurs idées en passant par le digital. Okay? Et en fait, les enjeux également de la transformation digitale passent par le télétravail. On a en fait une augmentation, une multiplication plutôt anormal du télétravail. Mais aujourd'hui, c'est normal, vous pouvez travailler
de n'importe où dans le monde, vous pouvez accéder à vos données. Quand on parle de cloud, vous avez vos données en ligne, vous les utilisez, vous travaillez de n'importe où, vous collaborez avec vos partenaires, vos clients et tout. Également au niveau de l'innovation va se baser sur l'analyse des données et des retours clients pour essayer d'améliorer les services, les produits et ainsi mettre en avant les valeurs de l'entreprise et revoir ainsi peu soit-il les missions de l'entreprise. Donc, au niveau de l'utilisation des données, on aura une agilité vraiment demandée. La méthode agile, en fait, devra être vraiment utile pour pouvoir gérer les données en ligne. Et gérer les données en ligne veut dire également faire des analyses, prendre des décisions. Ce sont des phases très importantes. Maintenant que nous avons un peu compris ce que c'est que la transformation digitale, aujourd'hui, je vais soulever le point de toutes ces personnes-là qui se lancent dans les métiers du digital pour aider les entreprises. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de se mettre sur Internet et de dire je vais vous aider à être premier dans les moteurs de recherche. Je vais vous aider à avoir de la visibilité sur Facebook. Je vais vous aider à faire des ventes. Il ne suffit pas de faire cela sur Internet. Il faut créer des offres de services personnalisées. Il faut créer des offres de services à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque entreprise a une demande précise. Essayez de trouver une niche, et dans cette niche-là, essayez de concevoir plusieurs types de scénarios dans lesquels les entreprises seront dans le besoin. Proposer des services à ces entreprises-là en fonction de leurs besoins, pas en fonction de ce que vous savez faire. Ok? Cela permettra d'abord de valoriser plus vos compétences parce que souvent nous allons plus à la recherche de l'argent. Plus que nous voulons offrir de meilleurs services. Les gens sont là, ils cherchent des contrats, mais en fait, c'est à la recherche de l'argent. Certains veulent de la notoriété, mais également derrière ça, il faut offrir un service réel à l'entreprise. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous pour m'aider à pour me soutenir, ce qui me permettra davantage de trouver plus d'idées. Posez vos questions en commentaire. Je vais laisser mes contacts dans la description pour ceux qui voudront avoir des vidéos sur des sujets précis ou des astuces, que ce soit sur le digital ou le développement web ou le réseau informatique. Sans oublier la sécurité informatique, c'est très important. À plus.